Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur God of War. On retrouve le plus beau papa du monde. Regardez-moi un peu ce style, bordel. Ça fait kiffer, ça. Je te le dis, ça fait kiffer. Comme d'habitude, 4K 60 FPS, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Évidemment, toujours accompagné de Mimir et Tutti Quenti, c'est-à-dire Atreus et lui-même. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver, comme à chaque fois. Un petit truc à boire et à manger, tu connais la musique. Waouh! Ok, salut. Bon, là, s'il va y avoir que des petites crottes comme ça, on va prendre plutôt les lames du chaos. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle, hein? On va faire tout le tour. Voilà, j'en ai marre, j'aime pas la poterie, ça dégage. Waouh! Calme. On se calme, les enfants. Vous n'êtes que de véritables... de vulgaires... Quoi? Qui Alpha? Vous n'êtes que de vulgaires lézards. Calamité, flambeau. Ok... Très bien ça. Très bien ça. Très bien ça. Et... très bien ça. Très bien ça aussi. Là, vous sortez de ce niveau. Ok. Pas mal. Et ben voilà. Eh, on est beau ou pas? Enfin, vous êtes beau. Tiens, envoie ton... mon petit Atreus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux l'ouvrir là comme ça, juste avec la force de mes biceps. Ok. Très bien. On va garder les lames du chaos pour l'instant, parce que ça a l'air d'être de la petite friture, hein. Qu'on croise à gauche à droite. Je rappelle que normalement, si tout va bien, après on récupère le stade de notre aventure principale, puisqu'on aura fait toutes les quêtes annexes. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, on peut continuer après sur de bonnes voies. Et il y a une, y a un moyen d'aller à gauche et il y a un moyen d'aller à droite. Très bien. Ok, super. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air fragile ici, père. Ok. Ok. Alors attendez. D'accord. Ce rouage, on dirait qu'il peut geler. Essayons de monter avec l'élévateur. Ce serait plus facile de briser le sol de là-haut. Ouais. Non mais alors attends, Bibiche. Attends, Bibiche. Parce que il y a à droite, il y a un autre truc. Pendant qu'on va laisser notre hache faire le boulot. Ah, c'est l'élévateur, donc c'est ça? Ok, superbe. Superbe. Tu peux faire s'effondrer le sol? Waouh, je rigole, frère! Ok, cassage de gueule. Cassage de gueule! Ok. 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 Dans les pattes. Allez, hop, une patate. Ah, cassage de mâchoire. Ok, pas mal. Pas mal, je t'avais pas vu arriver. Ok. Et vous là, vous êtes de véritables. Voilà, ça dégage. Ça va pas casser les couilles. Ok, ça je prends. Avec les petites aussi. Voilà, ça dégage, je t'ai dit. Écoute-moi, te dis-je, let's go, la clé! C'est ça? Là-bas. C'est la clé que nous cherchions. À présent, allons à la tour de guet sur la rive. Bah ouais. Moi, je m'attendais à une petite friandise en plus. Tu sais, le petit truc qui fait que t'es en mode un peu excité, quoi. Bon, c'est juste la tu clé. Nous caches? Les tours de forage ne sont pas mon seul péché, Altartalfheim. Oh merde, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et on a dit qu'on ferait un petit tour aussi du bord de carte, hein, évidemment. Bon, allez, on retourne. On retourne là-haut, parce que la tour est juste à droite. Mais qu'est-ce que ça peut Voilà la tour de guet dont je parlais. Il nous faut franchir la porte qui se trouve à son pied. T'inquiète pas, Bibiche. T'inquiète pas, je l'ai déjà vu. Mais alors attends, va y avoir un combat de boss là-dedans, là?
Dans ce merdier? C'est pas possible. Non, ça, on l'avait pas cassé. Je me demande ce qui va se passer. Oh! Ah non, là, c'est tout ce que j'ai oublié dans mon aventure. Très bien. Tout ce où je suis passé à côté, superbe. C'était dommage de l'oublier. Bah oui. Des restes de bêtes tout de même. Ça, à la limite, je m'en branle un peu. Tiens, remarque, on ne sait pas. Des runes brisées. Attends, what? J'ai deux... Attends, je suis fou. Il y a deux bateaux? Il y a deux bateaux. Attends, comment on est passé là? Merde. Ah. Ok. Il y a deux bateaux? C'est incroyable. Je n'étais point prêt. Ok. Vous entendez? Non. On est déjà venu ici, hein, on a fait un boss. Hein. Continuons, petit. Donc t'entends une voix maintenant, mais tu l'entendais pas avant, c'est comment? Cette clé dans le verrou, mon frère. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh ouais, non, mais putain, Kratos, le moindre geste qu'il fait... T'as pas envie qu'il te retire une crotte de nez, je te le dis. Hein. Tiens, tu veux bien donner un bon gros coup à ce tambour? Bon bah, hé. Hey. Tu me connais. Je suis le meilleur pour ça. Ah oui! Attendez pas à ça! Quoi? C'est ça la voix que j'entendais. J'espérais qu'il se serait enfui depuis le temps, mais... Nous devrons le libérer de ses entraves. Oh la vache... Quoi? What the fuck? C'est un serpent? Si, il est aussi balèze que le serpent monde, le truc. Attends, mais what? Ah, c'est une tortue! Ah, la vache! On va lui parler. Oh là là, le merdier! Et c'est là-dessus qu'il y avait le forage? Non, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est? Un linebacker. Je l'ai capturé, il y a fort longtemps. Pour Odin? Oui, j'avais pensé que c'était une façon originale et tape à l'œil de gagner ses faveurs. Tu as réussi? Oh que oui. Ok, Miskin, son œil droit, ça va pas du tout. Ok, et là qu'avons-nous? Bien. Oh la vache! Ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant. C'est du level design quoi. C'est un niveau dans des niveaux, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas s'amarrer là. Il y a peut-être un autre accès. Comment ça? Mais si on peut s'amarrer. Ah mais non. Oh les bâtards. Ok. Attends. Ben voilà, je l'ai l'autre accès. Je l'ai, Bibi, je l'ai. Oh là là, bah finalement on va passer à un autre épisode ici, hein. Un autre épisode sans avancer, mais c'est incroyable, on est obligé d'aller au bout des choses. C'est fou ce qui se passe sur cette tortue ou je sais pas quoi de mer là. Parce que c'est encore, mais bon, on va vite trouver. En tout cas, c'est impressionnant. Cet épisode 7 est fou, hein. Il est fort en chocolat, hein. Ok. On n'en fera rien pour le moment. D'accord. C'était peut-être pour invoquer des Valkyries, non? Je sais pas. Il y a forcément toujours un peu ce système de Valkyrie. Attends, quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? J'ai pas compris. Oh merde, c'est de l'autre côté, mais comment on fait? Ah non, ça sera sûrement pour se barrer vu qu'elle descend de là-haut. Oh mince. Ok, ok, donc fausse alerte. Cette corde, ça sera pour partir. Étant donné qu'elle est en descente, je pense pas qu'on puisse avoir de la vitesse pour monter. C'est pas grave. Ah, on peut s'amarrer là-haut. Ok, très bien. Et on peut s'amarrer aussi derrière, si vous avez bien vu tout ce qu'il y avait.
Ok. Let's go. Allez. Et tente de découvrir ce qui se passe là-dessus. Le poids des chaînes. Ah, mais oui, mais il est enchaîné. Cette créature, tu l'as asservie. Oui. Mais pourquoi? Parce que j'étais jeune et stupide. Et que j'ignorais ce que c'était que d'être piégé en un lieu sans rien d'autre à l'esprit que la souffrance qu'on éprouve. Ok. Très bien. Ok, ça c'est pas mal aussi. Oh, ça c'est beau, un bel éclatage de gueule ça. Ok, superbe. Suivant. Ils étaient nombreux, j'ai préféré prendre les chaînes du chaos. Hein, je vous fais pas un petit peu de mes trouvailles, quoi. Ça fait toujours plaisir. Ok. Il faut que j'aille donc de l'autre côté, j'ai compris. Mais alors, par où passer pour aller de l'autre côté? Quel est finalement le chemin le plus simple? Ça, ça ne s'ouvre pas. Eh ben superbe. Ah, ok. J'ai preuve de mauvaise foi, excusez-moi. Allez, première chaîne en moins, ça dégage. Let's go mon pote. T'inquiète, tu vas kiffer. Oui, nous avions aussi enchaîné les nageoires. Ah! Tu veux bien? Toudou! Toudou! Oh là là, c'est incroyable le jeu. Ok. La créature a mal. Mais nous allons la libérer. Mais elle sera toujours enchaînée. Tu le sais aussi bien que moi. À présent, l'autre nageoire. On devrait pouvoir l'atteindre derrière le débris tombé. Au-dessus, attention! Ferbe? Je sens que tu m'en veux, n'est-ce pas, mon frère? Je me rappelle la sensation du joug autour de mon cou. Je ne le souhaite à personne. Ok. Oui, parce que Kratos était enchaîné, hein. Si jamais... Oh... Take it. Allez. Cela nous éclaire-t-il? Pas mal. Par contre... Donc là, on peut aller là, j'ai bien compris, mais... Là, il y a toujours pas de quoi faire exploser ce merdier, là. Non. Ça sera sûrement pour repartir. Let's go. Oh, la beauté de ce jeu, bordel. La beauté de ce jeu. Un autre gros gueur pour la gauche. Putain, bien joué à toi. Attention, lève les yeux. Allez, ça dégage. Alors, on en était où? Excusez-moi du peu. Pourquoi l'avoir asservi? Sa graisse nous fournissait de l'huile. Pour les lanternes d'Odin. L'huile? Pour tes lanternes? La colère et le mépris que tu ressens à mon égard ne sont rien comparés aux remords que j'ai pu éprouver. Ok. Autre chaîne? Superbe. Chaîne Paul. Let's go. C'est donc l'autre aile, c'est bien une tortue de mer. La nageoire, si tu pouvais. Je sais. Ah, il ne reste plus que la queue. Et quelle queue? Et quelle queue? Ok, ça dégage. C'est ça moi qui m'importait. C'est le coffre des RM. Ok,
Et ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On y dissimulait une sorte d'appareil. C'est une... It's a fireball! Trop bien. Trop bien. Ok, bah on prend bien sûr. Donc là, j'ai le pouvoir d'avoir des fireballs. Ok. Cuir brut. Oh, trop bien. Ok, je reviens. Bougez pas. Bougez pas. Ok. It's a fireball! Oh non. Pas assez loin. Attendez. J'essaye de checker. Et je suppose que je peux pas monter. Ouais, je peux pas. Superbe. Peut-être que ce quai peut nous mener à la queue. Retournons au bateau. Bah, c'est pas ça en fait, moi qui me. Moi, c'est pas ça qui me attriste. Peut-être que c'est la queue qui va enclencher un truc qui fait qu'on pourra utiliser ses portes, je sais pas. Ah non, juste ça, c'est très bien aussi. Voilà. Comme ça, on prend une fireball. Et on peut l'utiliser si tout va bien à droite, tu non? Tu n'as jamais parlé de cette créature. Et cela te surprend qu'un vieil homme puisse avoir honte des erreurs qu'il a commises? Non. Parfait! C'est exactement ce que je voulais! Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres, de mémoire. Ok, un dépôt de Scurries. Très très bien. On va passer par ici. On va passer par là. On va passer par là. Et on va passer par ici. Super, bah allez, on refait le tour, les potes! Et on va libérer cette belle tortue quand même pour cet épisode 7. C'est quand même assez grandiose. J'espérais que la créature n'était plus de ce monde. Mais apparemment, les As n'ont pas pris la peine de mettre un terme à ses souffrances quand ils n'ont plus eu besoin d'elle. Okay. Nous pourrions la tuer. Non. Pas si nous pouvons la sauver. J'aime beaucoup les conversations entre Mimir et Kratos. Parce que c'est à la fois très adulte, très sain. Et j'aime bien, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois. On va voir ce qui va se passer. On peut atteindre la queue depuis ce quai. Ok. On va passer par là. Veux-tu vraiment sauver cette créature brisée? Je sais ce que c'est que d'être emprisonné ainsi. Je ne peux l'abandonner. Et si on ne pouvait plus rien pour elle? Je ne comprends pas. Continuons. En gros, Kratos, il est persuadé que même libérée, elle reste finalement morte, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ta gauche! Elles sont incroyables, ces flèches à lui. Bien joué! Bien joué! Oh merde, j'aurais pu lui... Ok. On va s'occuper de lui. Ok. Très bien. Allez, récupère. C'est Bibi qui régale. Quelle force! Et allez, récupère. C'est Bibi qui régale. Ah, je distribue là. Dans les vagues. C'est bon. Ok. Attention,
Bien joué à toi. Bien joué à toi. S'il s'accroche au mur, pourquoi le faire tomber? Ok. Désolé, mais on va utiliser le mode rage, bas les couilles. C'est pas grave que pour deux petits caca, mais bon. Essaye d'éviter de crever. Superbe. Bon, toi frérot. Ferme-la. Merci. Alors, restons concentrés. Ok, j'avais un don de force. Dommage. Dommage que ça soit ce moment-là. Ok, ici, on a de quoi libérer la cow. Très bien. Eh bien, écoutez, avant de libérer la queue, on va aller checker là-haut quand même. Hein. Je sais pas ce que ça mène. Ah! Ben oui, ça remène au milieu de l'île. Superbe. Ok, allez, au moins c'est fait. Allez, on va libérer cette pauvre bête. Et comme ça, on pourra se coucher l'esprit léger. Sa queue doit aussi être enchaînée. Ah, d'accord. Cette corde devrait nous mener là où nous voulons aller. Let's go. Ouais, mais alors, les gars, avec la taille qu'il fait, je vois pas où il va aller, pour... où il va pouvoir aller, hein. Merde, merde. Voilà, tu es libre. Que se passe-t-il? Bah, il veut pas peut-être partir. A-t-il besoin d'encouragement? Peux-tu m'approcher de son œil pour un face-à-face, mon frère? En fait, il va juste pas bouger, il va faire sa mission jusqu'à mourir, et puis ça va rester une île, quoi. Je pense. Je vais t'ajouter... il voulait quoi? Il voulait l'œil. L'onglet arme. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est beau, ça. Bien sûr qu'on équipe. Bien sûr qu'on équipe. Ok. Merde. Ouais, mais alors, attendez. Oh, il y a un bateau qui est revenu. Très bien. Les nouvelles sont bonnes. Allez, on va s'approcher de l'œil. Et on va voir un petit peu... Pour moi, il peut pas aller nulle part, en fait. Hein. Comme dit Kratos, il est déjà un peu foutu. Hein. Les tours de forage, ce sont des erreurs, Mimir. Mais dû à Odin. Ce n'est pas une excuse, mon grand. Mais je te remercie quand même. Ok. On va donc se rapprocher de l'œil. Je pense que Mimir veut discuter avec. Mais ouais, mais où tu veux qu'il aille, le bordel? Il n'y a pas de profondeur ni rien. C'est foutu que ça. Parce qu'on est dans l'œil, frère. Allez, espèce de gros tas de graisse. Oust! Elle bouge pas. Pourquoi elle bouge pas? Elle a fini par s'habituer à ses chaînes. Non. On ne baisse pas les bras. Il suffit qu'on la chasse ou qu'on l'effraie. J'en sais rien. Nous ne pouvons pas résoudre toute chose. Mais nous pouvons les améliorer. J'aime sentir le vent sur son visage. Je le ressens. Puisse-t-il la réconforter? Mais ce n'est pas suffisant. Ça l'est rarement. Mea culpa. Oh, trophée d'argent quand même, hein. C'est pas dégueu, hein. Eh ben écoutez, c'est une bonne chose de faite. Il nous aura fallu deux épisodes pour faire le forage. Revenons-en aux histoires de Thor et Odin. La tortue, c'est plutôt cool. Il y a eu Groa, bien sûr,
la gardienne du savoir et prophétesse du Ragnarok. Thor a tué son époux, et Odin l'a couvert avant de la tuer lui-même. Sans oublier Ymir, le premier géant. Odin l'a découpé et formé les royaumes avec son corps, en laissant le flot de son sang noyer pratiquement tous les géants. Et les géants de Jotunheim, alors ? Ils semblaient tous morts quand nous y sommes finalement arrivés. Ça, c'est un mystère. Mais soyons honnêtes, c'était le rêve des dieux As. Merci. Nous continuerons plus tard. Père, là, on peut ouvrir cette porte au burin. Incroyable. Pas de bruit. Hein ? Content de voir que ça fonctionne toujours. Ok. Bah, il se passe quoi ? Pas mal. Pas mal. Bah, y'a plus de bruit, les gars ? C'est bon, les bruitages sont revenus. Y'a, c'est l'endroit où le bruit disparaît. Ok. On va faire un dernier petit tour. Et oui. Après, on va pouvoir se diriger vers. Les autres choses horribles, Thor et Odin ont-ils faites ? Et Fjörgyn ? La mère de Thor était une géante, pas vrai ? Oui, en effet. Les circonstances de son trépas sont pour le moins obscures. Cependant, je ne sais pas s'il faut en blâmer Odin. Il n'a plus été le même après ça. Oh, je sais. Il y a eu Skassi, la reine de la chasse. Oui, elle a repoussé les avances d'Odin, alors il l'a amené à tuer son père malgré elle. Il y a eu Starkas le puissant, le chef de guerre des Jotnar. Calomnié par Odin, piégé et tué par Thor. Et il y a eu Trim l'astucieux, le roi géant qui avait volé le marteau de Thor. Odin le lui a échangé contre Freya, puis a envoyé Thor incognito afin qu'il massacre toute sa cour. Ah ! Grungnir le bagarreur, le géant de pierre. Oui, moqué par Odin, éliminé par Thor. C'en est assez. Mais il y en a d'autres ? Peu importe. Ok. La guerre contre Odin n'est pas la solution. J'ai plus le bruitage. J'ai plus le bruitage, ça me fait très peur. J'ai plus de bruitage et ça me fait très peur. Bon, on va... Ben, on va... Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Attends, frérot, on va peut-être recharger, non ? Je sais pas. Bon, écoutez, on va finir au moins ça sans bruitage. Ah, ça fait très bizarre, hein. Ok. Ok. Ça c'est fait. Ah oui, d'accord. Il y a du temps, c'est ça ? Il y a du temps. Il y a totalement du temps. Et merde. Bon. Skirfa. Ok. Alors, très bien. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire celui-ci, qui est forcément le plus relou. Ok, 1. 2. 3. Pas mal. Let's go. Un nouveau trésor. Sans bruitage, dans le silence le plus complet. Une corne, très bien. Vous avez collecté une corne sur 2. Plus que une deuxième pour monter la barre. Bah ouais, ça me fait peur, frérot. Ça, quand... Il faut pas faire des bails comme ça, les gars. Il faut pas faire des bails comme ça. Qu'est-ce que c'est, là ? Il y a une sorte de truc sous pression. On a sûrement besoin d'équipement spécial pour utiliser ça. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi. Eh bien, écoutez, on reviendra plus tard, alors. On reviendra plus tard, quoique... Est-ce que match suffisait ? Je ne sais pas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais redémarrer la console. Et on va passer à la suite du record de mon côté. Et, bah écoutez, passez. Dis, Ymir. Très bonne soirée. Bye bye tout le monde. Des Éléens ces derniers temps. Je croyais que libérer la reine des Val...